permettre aux enfants de Canaan de fêter dans la joie. C'est ce qui a amené Subiru Salufu à organiser en leur honneur une cérémonie de communion et de remise de cadeaux. Pour lui, ce geste n'est qu'un soutien à l'endroit des familles pour une nativité spéciale. Nul n'est heureux tout seul. Et on a voulu que cette année, que les enfants de Canaan fêtent dans la joie et dans la sérénité. Que le Père Noël soit à leur côté partout ailleurs. C'est pour ça que malgré les préoccupations très chargées, j'ai voulu que nécessairement ce soir, que ces enfants reçoivent la visite du Père Noël. C'est ça. Le Père Noël descend une fois chaque année pour semer la joie dans le cœur de tous les enfants du monde. Voici ici présent une panoplie d'enfants comme vous a fait à la recherche de ce Père Noël qui se fera le devoir de vous rendre heureux aujourd'hui. Vous le méritez tous. Et c'est pourquoi vos parents vous ont permis ici. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'applaudir fort. Également nourrir malgré le fait que l'argent fait défaut de jour en jour. Disons-leur merci. Malgré que nos erreurs et caprices d'enfants, ils ne nous ont pas tenu rigueur. Mais ils nous ont quand même permis de répondre présent à cet appel du Père Noël, ici en ce jour. Chers enfants, je suis également fière au milieu de vous en ce jour. Je vous témoigne mon amour. Cet amour qu'une mère doit avoir pour ses enfants. Restez toujours sages, respectez vos enfants, vos parents, mangez bien et que la fête soit belle. L'autorité a profité de cette occasion festive pour gratifier le seul candidat de Canaan qui a eu la mention bien au baccalauréat session de juin 2019. Le bénéficiaire a chanté son hymne de remerciement aux donateurs. Dieu nous prête vie. Chaque année, on va réitérer l'espoir. On a profité pour récompenser le seul fils de Canaan qui a eu mention bien au bac. Ils étaient 83 au moment où je faisais la promesse. Sur 83 candidats, on n'a eu qu'une seule mention bien. J'avais prévu une cinquantaine d'ordinateurs. Mais malheureusement, c'est une seule personne qui part avec l'ordinateur. Je voudrais exhorter mes frères à travailler davantage pour mériter ce joyau. Chaque fois qu'il y aura une mention bien, à chaque année, ce serait un ordinateur portatif. Seul, je n'ai pas les mots nécessaires pour le remercier. Seulement, mon Dieu Tout-Puissant va le remercier à ma place. Bonne fête à vous, monsieur. Je viens travailler. Chaque chose a son moment. Sacrifiez vos temps pour pouvoir avoir de bons réussites comme moi. L'autorité pense renouveler ce geste salutaire à chaque année. Pour moi, c'est qu'ils aient la joie nécessaire pour fêter comme tous les enfants du monde. Que ce geste soit pris comme un soutien aux diverses familles. Parce que tout le monde voit la Noël, mais tout le monde ne célèbre pas la Noël. Toutes les familles ne célèbrent pas la Noël. Et c'est pour pallier à ce dysfonctionnement que nous avons organisé cette fête. Vous l'avez constaté, non seulement le Père Noël est descendu, mais les enfants rentrent avec un repas copieux et de quoi se désaltérer. Les différents bénéficiaires sont partis avec le sourire aux lèvres et espèrent désormais la prochaine édition.